Bonjour mes amis, à cause d'un gros problème de connexion internet chez moi, le live n'a pas pu être terminé comme prévu. Donc, dans cette vidéo, ce sera la dernière partie du live concernant les jeux bizarres de Super Mario. Donc, on terminera ce live en tant qu'enregistré à cause d'un problème de connexion. Voilà les amis, encore une fois, nous prions de nous excuser pour le live qui a été coupé. Malheureusement, il y avait eu un gros panne de connexion internet à la maison. Donc, voici la suite du live qui a été enregistré à cause de la panne de connexion. Merci de votre compréhension. Bon les amis, nous sommes de retour pour le live Jeux test de Mario, les jeux Mario bizarres. Malheureusement les amis, nous avons un gros problème de connexion internet. Donc, malheureusement, le live a été coupé à cause d'un gros problème de connexion. Donc, les amis, nous allons terminer ce live en enregistrement. Ceci est l'enregistrement du live. Malheureusement, à cause d'un gros problème de connexion Internet, on n'a pas pu terminer ce live comme prévu. Encore une fois, les amis, je suis vraiment désolé pour ce désagrément. Malheureusement, nous avons un gros souci de connexion Internet, ce qui nous contraint de couper le live. Voilà les amis, encore une fois, je suis vraiment désolé, mais malheureusement, parfois nous avons des problèmes de connexion Internet, parfois la connexion Internet tombe en panne. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, c'est que je vais enregistrer la dernière partie du live et je la mettrai en ligne sur YouTube. En tout cas, les amis, je suis vraiment désolé pour ce désagrément. Malheureusement, la grosse panne de connexion Internet, voilà, la connexion vient de tomber en panne. Donc, je serai obligé de terminer ce live comme ça, enregistré. En tout cas, je suis vraiment désolé, les amis, mais parfois, la connexion Internet, ça peut tomber en panne. Donc, voilà, les amis, je suis de retour pour le live. En tout cas, je suis vraiment désolé. Donc, ce live sera enregistré directement et pas en direct. En tout cas, je suis vraiment désolé, mais malheureusement, là, nous avons de gros problèmes de connexion Internet chez moi. En tout cas, je suis vraiment triste que la connexion est tombée en panne pendant ce live. Donc voilà les amis, nous allons terminer ce live comme ça. En tout cas, je suis vraiment désolé, mais la connexion était tombée en panne. En tout cas les amis, encore une fois, je suis vraiment désolé pour ce désagrément. Malheureusement, ma connexion Internet était tombée en panne chez moi. Voilà les amis, malheureusement, les problèmes de connexion Internet, ça peut arriver. Malheureusement, on sait rien faire. Donc voilà les amis, nous allons continuer le live Jeux test de Mario. En tout cas, encore une fois, je suis vraiment désolé si ce live a été coupé. Je suis vraiment désolé, mais parfois, la connexion Internet, ça tombe en panne. Donc voilà les amis, nous allons terminer ce live. En tout cas, je suis vraiment désolé pour ce désagrément. Malheureusement, la connexion Internet était tombée en panne. Voilà, donc nous allons continuer ce live. En tout cas, je suis vraiment désolé si ce live a été coupé. Malheureusement, nous avons eu un gros panne de connexion. En tout cas, je suis vraiment désolé. J'ai remarqué que la connexion ne fonctionnait plus. Donc voilà, j'étais obligé de couper ce live. Bon allez les amis, encore une fois, je suis vraiment désolé. Ce sera la dernière partie du live. Malheureusement, le live a été coupé. Donc voilà les amis, nous allons continuer ce live tout simplement. En tout cas, nous sommes vraiment désolés pour le problème de connexion. Nous sommes vraiment désolés. Bon bah en tout cas les amis, nous allons continuer le live avec un autre jeu Mario qu'on va tester dans un instant, tout simplement. Allez les amis, nous avons terminé de jouer au jeu Mario Time Machine. Maintenant, nous allons passer au prochain jeu Mario qu'on va jouer dans ce live, tout simplement. On va jouer au jeu Mario Early Years. Je sais pas si vous connaissez le jeu Mario Early Years. C'est un autre jeu Mario bizarre qu'on va découvrir. J'espère que ce jeu n'est pas trop bizarre, on verra bien pendant ce live. Allez, nous allons jouer à ce jeu, du coup, c'est parti les amis, on va jouer, c'est parti. En espérant que vous allez apprécier, donc voilà. Mario Early Years, tout simplement. En tout cas, voilà, c'est parti. Hop, en espérant que vous allez apprécier. On va voir si ce jeu est bizarre. Mario Early Years, donc c'est parti. Ok. À l'école maternelle. Oh, ok. Bon allez les amis, je suis désolé que si ce live a été coupé, nous avons un gros problème de connexion. Là, j'enregistre ce live directement et je publierai sur ma chaîne. Bon allez, on va jouer à ce jeu. C'est les crédits, c'est déjà la fin du jeu. Ok, ça commence bien. Bon allez, donc on va y jouer. En espérant que vous allez apprécier. Hein. Ok. D'accord. C'est les créateurs du jeu. Alors, on va aller sur là. Ok. Donc là, je dois apprendre qu'est-ce que je dois faire en fait dans ce jeu. Je dois faire quoi? Alors montre-moi les choses qui est l'opposé de rempli. Les choses qui sont à l'opposé de rempli. Celui-là alors. Voilà. Ok. Tu as pris celui qui est vide. Ok. C'est l'opposé de rempli. Trouvez les choses qui sont l'opposé de rempli. Bah, le seau qui est vide alors. On va faire ça, voilà. Tu l'as trouvé. Tu as pris celui qui est vide, ok. C'est l'opposé de rempli. Choisissez les choses qui est l'opposé de plus. Celui qui a le plus. Bah, je pense que c'est celui-là. Allez. Ok, c'est bon, ça fonctionne. Oh, j'ai vu Yoshi. Salut Yoshi. Ouais. C'est l'opposé de rempli. Trouvez les choses qui est l'opposé de plus. Ok. Je vais prendre ça. Ah, je l'ai trouvé. Ça, c'est parfait. Tu as pris celui qui a le moins. Le moins, ok. C'est l'opposé du moins. Ouais, ok. Prenez les choses qui est l'opposé de difficile. Un truc qui est facile. Celui-là. Ouais, je pense que c'est ça. Tu as trouvé celui qui est le moins fort. Ok. C'est l'opposé de dur. Montre-moi les choses qui sont opposées à difficile. Un truc qui est pas difficile. Bah... la glace. Je dirais la glace. Voilà. Je l'ai trouvé. Tu as pris celui qui est le moins fort. Ok, c'est quoi ce jeu? Ok. Montre-moi les choses qui est l'opposé de chaud. Alors, ce qui est froid, alors. Ah bah, ce qui est froid, c'est la glace. Voilà. Tu as trouvé celui qui est froid. C'est l'opposé de chaud. Trouve les choses qui est l'opposé de chaud. Celui-là, alors. Tu as pris celui qui est froid. C'est l'opposé de chaud. Choisissez les choses qui est l'opposé de sec. Ce qui n'est pas sec. Celui-là. Ouais. Qui est mouillé. Eh, c'est quoi ce jeu-là? Trouvez les choses qui sont l'opposé de sec. Bah, l'opposé, ça doit être celui-là, alors. Je l'ai trouvé. Tu as choisi celui qui est mouillé. C'est l'opposé de sec. Ok, au revoir. Le tour de manège, maintenant. Ouais, je dois faire quoi? Réveiller Luigi? Réveille-toi, Luigi. Voilà. Trouvez les choses qui est l'opposé de allumer, ce qui est éteint. Ce qui est éteint, celui-là. Ah, ok. J'avais pas compris. D'accord. Trouvez les choses qui est l'opposé de allumer. Cheval. Tu as trouvé celui qui est éteint. C'est l'opposé de allumer. Montre-moi les choses qui est opposé de au-dessus. Bah quoi, celui-là? Ouais. C'est l'opposé de dessus. Montre-moi les choses qui est l'opposé de au-dessus. En bas. Voilà. Ok. Choisissez les choses qui le possèdent de tout dessus. Bah, celui-là alors. C'est l'opposé du dessus. Alors choisissez les choses qui le possèdent du dessus. Le cheval bleu. Bah c'est facile, c'est pas compliqué. Ok. Choisissez celui qui est l'opposé de... Enfin, ok, comme ça. Ça doit être ça. Montre-moi les choses qui est l'opposé d'entre eux. Ok, celui-là alors. Ok. Ah, c'est les canards. Les canards. Ok, qu'est-ce que je dois faire avec les canards? Ok. Choisissez l'opposé du devant. Tout derrière. Ok, le canard là. Voilà, ça c'est correct. Ok. Montre-moi l'opposé de court. Bah, celui-là. C'est l'opposé de court. Choisissez l'opposé de grand. Petit, comme une fourmi, voilà. Tu as choisi celui qui est petit. C'est l'opposé de grand. Choisissez l'opposé du début. À la fin alors. Tu as trouvé celui qui est à la fin. C'est l'opposé du début. Mais c'est un jeu éducatif pour les enfants en fait. LOL. 1, 2, 3, 4. On va compter. Je sais compter moi. LOL. C'est un jeu pour les bébés. T. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y en a 9, c'est bon là. Une voiture. Une voiture, deux voitures. Il y en a 3, puis 4. 5, je m'en bats les couilles. 6. Et c'est la princesse Peach qui est la maîtresse en plus. Eh, c'est quoi ce jeu Mario? 1, 2, 3, 4. Ouais. Combien de livres? On va compter. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7. Ça fait 7. On va compter le reste. Ok. Il y avait juste ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pieces of chalk. Bah 8 alors. 1 paintbox. 1 paintbox. Y'a qu'un seul. 5 paintbrushes. 1, 2, 3, 4. 5. Putain, mais c'est pour les enfants ce truc. C'est bon, je sais compter. Combien d'enfants? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh! Mais j'avais cliqué sur les enfants, il n'y en a pas 10. Eh, je comprends rien à ce jeu. Les nounours. 1, 2, 3. Voilà. Mais c'est un jeu pour les enfants, quoi. 1, 2, 3. Voilà, 3. 8, allez les créer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 4, J'ai déjà fait l'épaule. J'ai déjà fait. J'ai compté. Ça me fait penser aux jeux éducatifs pour les enfants sur PC, comme Adibu d'ailleurs. Bon, allez. Les cubes alors. Yoshi! Mon petit Yoshi! Choisir le carré. Il faut choisir le carré. Voilà le carré. Voilà. Trouvez le cercle. Voilà le cercle. Voilà. Choisissez le triangle. Le triangle. Il faut prendre le triangle. Voilà. Voilà le triangle. Le triangle. Trouvez l'étoile. L'étoile des 12 coups de midi. Voilà. Ok, voilà l'étoile. Et ça fait une princesse. Petite fée, voilà. Ok. Allez Luigi, réveille-toi. Trouvez le triangle. Bah, il est là, juste devant Yoshi, voilà. Trouvez le cercle. Voilà le cercle. Le carré. On prend le carré. Voilà. Le carré. Et ça fait un chat. C'est un chat. Miaou. Ok, d'accord. Ensuite. Alors, trouvez le ovale. L'ovale, bah l'ovale est là. Voilà. Eh mais c'est facile, hein, forcément. Hein. Forcément, c'est un jeu éducatif, c'est facile. Le rectangle, il est là. Voilà. Trouvez l'étoile. L'étoile, il est... là-bas. Voilà. Et ça fait une petite voiture, entre guillemets. Ok, donc on va... le ballon, peut-être. On va aller faire le ballon. Ah, nous sommes dans un cirque. Ok. Réveille-toi, Luigi. Réveille-toi. Ok. Trouvez le cercle rouge. Le cercle rouge. Donc là, il faut un petit peu de déduction. Voilà. Trouvez le cercle vert. Ok, le cercle vert, il est au-dessus. Voilà. Voilà. Trouvez le cœur rouge. Ok. Trouvez le fleur rose. Ok. Voilà. Trouvez le carré noir. Ouais, j'ai trouvé. Voilà, c'est bon. Ah, les fruits et légumes. Ah, on va manger des fruits, tiens. Allez, Luigi, réveille-toi. Trouvez les raisins bleus. Les raisins bleus. Ok, c'est là. Ok. Trouvez la fraise rouge. Ok, la fraise rouge est là. Trouvez le truc jaune. Ok, voilà. Trouvez les raisins verts. Voilà. Et voilà. C'est facile. C'était facile. Ah, maintenant c'est les légumes, je pense. Je pense que c'est les légumes. Ok, les légumes. Trouvez les petits pois noirs. Les petits pois noirs. Donc c'est celui-là. Celui-là. Voilà. Trouvez la pomme de terre brun. Celui-là. Trouvez le truc violet. Ouais, on prend celui-là. Tu as trouvé le truc violet. Trouvez l'oignon blanc. Ah, les oignons, ça nous fait pleurer, hein, forcément. Hein. Voilà. Ok, donc on va faire la vache. Allez, Mario, Yoshi, c'est peut-être... je sais pas quoi faire. Okay. Allez, nous allons faire la vache. Ah, ce sont les animaux maintenant. Les animaux à trouver, ok. Et c'est vraiment un jeu pour les bébés, mais bon, lol. Trouvez l'image qui fait ce son. Ah, je pense que j'ai reconnu le son. Je pense que vous avez reconnu, c'est le canard. Voilà, le canard. Ok. Ah, c'est le chat. Miaou, c'est le chat. Ok. Le chien. Trouvez l'image qui fait ce son. L'âne. Voilà. Alors. Le cheval. Et voilà. C'était facile. Alors, le garçon. Voilà, on va faire celui-là. Oh! La tête de Mario! La tête de Mario! Ok. Le soleil? Ok, la tête de Mario. La tête de Mario, ok. Je dois faire quoi, en fait? Touch your hair. Ah, Mario a enlevé sa casquette. Il la remet. Les yeux de Mario. Ah, il nous a fait un clin d'œil. Le nez. La moustache. La bouche. La joue. Les mains. L'autre main. Ouais. Bah, c'est tout alors. Les pieds. Ah. Ah, la jambe là. Wouhou! Ok. Ok. Ok, d'accord. C'était pas mal comme jeu. C'était pas mal comme jeu, hein. C'était vraiment pas mal. Tout simplement, c'était pas mal. Bon, allez, les amis. Nous allons terminer ce live avec un autre jeu. C'est un autre jeu Mario Early Years. À part que c'est une autre version. Vous allez voir ça tout de suite. En tout cas, les amis, je suis vraiment désolé si ce live a été coupé. Je suis vraiment désolé, mais... En ce moment, il y a un gros problème de connexion. Ma connexion internet est en panne chez moi. Voilà, je suis vraiment désolé. C'est la connexion qui est tombée en panne. Je suis vraiment désolé. Allez les amis, nous allons terminer avec un autre jeu Mario. On va y jouer sans plus attendre les amis. Allez, c'est parti pour le prochain jeu Mario. C'est parti. On y va. On lance le jeu. Maintenant, c'est avec les chiffres. On va faire ça. Let's go. Allez, c'est le dernier jeu du live. Ok. Avec les chiffres. Maintenant, c'est les chiffres. Ok. Un jeu créé par... On s'en fout. Allez, c'est reparti les amis. Donc on va... Maintenant, c'est les chiffres. Maintenant, c'est les chiffres. Ok. Luigi, réveille-toi. Ok. Trouvez le chiffre 10. Le chiffre 10, il est là. Voilà. Voilà. Voilà, le chiffre 10. Trouvez le 1. Le chiffre 1. Il est là, le 1. Le 1, il est là. Voilà. Et voilà. Le chiffre 2. Le chiffre 2, il est là. Voilà. Trouvez le 8. Le 8 est là. Voilà, le chiffre 8. Trouvez le chiffre 9. Le chiffre 9 est là. Ok. Ah ok, c'est bon. Ok, c'était pas facile. Pas difficile, pardon. J'allais dire pas facile. Je bafouille, hein. Je suis un peu fatigué aussi. Trouvez le 7. Le chiffre 7, il est là. Voilà. On a trouvé le 7. Alors... Trouvez le 9. Le chiffre 9, il est là. Voilà. Trouvez le 1. Bah voilà, le 1, il est là. You found the 1. Find the 6. Trouvez le chiffre 6. You found it. You found the 6. Et voilà. Ah, nous sommes au magasin. Nous allons faire de la cuisine. Ok. Ok. Trouvez le 10. Le 10, il est au-dessus. Voilà. Ok. Trouvez le 3. Le chiffre 3. Ok. You found the 3. Voilà. Trouvez le chiffre 6. I like your choice. You found the 6. D'accord. Trouvez le chiffre 2. You did well. Voilà le 2. You found the 2. Trouvez le 7. Le chiffre 7 est là. Voilà. You found the 7. Le chiffre 7. Et voilà. Terminé. Alors on va faire celui-là. Ok, c'est parti. On va passer à la suite. Trouvez le sac avec 9 popcorn. Voilà, 9 popcorn. Ah oui, c'est l'éléphant qui mange les popcorn. Trouvez le sac avec 3 popcorn. Ok. Voilà le chiffre 3. You found the bag with 3 peanuts. Alors, trouvez le sac avec 2 popcorn. Ok. That works for me. Ça c'est bon. You found the bag with 2 peanuts. Alors, trouvez le sac avec 8 popcorn. Ok. You found the bag with 8 peanuts. Ça c'est bon. Trouvez le sac avec 1 popcorn. Voilà. You found the bag. Ça c'est bon. Ok, alors ensuite. Ah bah c'est fini. Ok, c'est terminé, parfait. Niveau terminé, parfait. Ah, c'est pas fini, hein. Allez, Luigi, réveille-toi. Trouvez les 4 pas. Les 4 trucs. Donc ça, c'est 4. Ok. Voilà. Trouvez les 6 points. Ok, donc les 6 trucs. Ok. Ah, vous avez vu le personnage qui est entré là? Je sais pas si vous l'avez vu. Trouvez les 10 whiskers. Ok, donc ça. Là, vous voyez ça? Le personnage est entré du trou, est sorti, il a fait ça. Ok. Trouvez un plume. Trouvez un plume. Donc, un plume. Ok. Voilà, un plume. Trouvez les 3 clans. Ok. Ok, c'est bon. Ok. Ah, il faut compter les animaux. On va compter les animaux. Allez, réveille-toi, Luigi. Trouvez les trois singes. Les trois singes, c'est ça. Voilà. Ok. Prenez les quatre hippopotames. Les quatre hippopotames. Ok. Trouvez un tigre. Un tigre. Le tigre de Fort Boyard. Donnez-moi les deux ours. Ok, les deux ours. Ok. Trouvez les 9 girafes. Les 9 girafes, c'est là. Ok, j'ai trouvé les 9 girafes. Et voilà. Voilà. Le marchand de glace. On va manger des glaces. Ok. Allons-y. Trouvez le 7. Le chiffre 7. Voilà. On a le chiffre 7. Ah, c'est pour les oiseaux. Ok. Trouvez le 2. Le 2, il est là. Ça, c'est fait. Trouvez le 4. Le 4, il est là. Voilà. Trouvez le 5. Le 5, il est là. Trouvez le 9. Voilà le 9. Ça va, c'est pas difficile, hein. C'est un truc pour les tout petits aussi, hein. C'est quoi ce jeu Mario, là? Oh là là. Trouvez le chiffre 3. Et voilà. Facile. Ok, donc on va aller au magasin. Ouais, le magasin. Ok, on va au magasin. Waouh, la princesse Peach. C'est la princesse Peach, ok. On va compter ce qu'il y a aussi. On va voir ce que c'est. Donne-moi celui qui est différent. Ah, il faut trouver l'objet qui n'est pas le même. Là, voilà. Ouais, en effet, c'est différent. Trouvez l'objet qui n'est pas le même. Le cheval. Le cheval. Voilà. Le cheval. Voilà, ça c'est bon. Prenez l'objet qui est différent. La chaussette. La chaussette puante. Voilà. Ouais, c'est différent, je sais. Ah ben voilà, c'était facile. C'était facile. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire? Trouvez l'objet qui est différent. Le poisson? Je pense que c'est le poisson. Ah, ben voilà. Oh, vous avez vu le personnage dans le tuyau, vous l'avez vu sortir. Ok. Trouvez l'objet qui est différent. Le t-shirt. Parce que ça n'a pas... Parce que le t-shirt n'a pas de rapport avec la ferronnerie. Ouais, je sais, mes mains sont un petit peu sales, hein. Je sais pas pourquoi il y a de la saleté dans mes mains, dans mes doigts. L'objet qui est différent. La chaussure, parce que ce n'est pas de la cuisine. Voilà. Ok. Et voilà. Allez, c'est reparti. Réveille-toi, Luigi. Trouvez l'objet qui ne correspond pas. L'objet qui correspond pas. Le zèbre. Parce que le zèbre, ce n'est pas un objet de maison. Voilà. Voilà. Trouvez l'objet qui ne correspond pas. Le phoque, l'animal. Voilà. Voilà. Okay. Trouvez l'objet qui ne correspond pas. La salle de bain, ça correspond. C'est la balançoire. La balançoire, c'est pas dans la salle de bain. Voilà. Voilà. Et voilà, c'est fini. J'imagine que c'est la même chose. Trouvez l'objet qui ne correspond pas. La vache, puisque c'est pas un objet de... Une chaise. Voilà. Quel est l'objet qui correspond pas? Ça, je pense. Je pense que c'est ça. Ah, ok. Ça commence un petit peu à être compliqué, hein. Ok, j'ai compris. Prenez l'objet qui ne correspond pas. Bah, ça. Tu as trouvé le crayon. C'est un crayon, ok. Ok, c'est bon. Ok, donc... Celui-là. Ah, on va compter les objets. Yoshi! Ok, donc réveille-toi, Luigi, s'il te plaît. Ce serait bien. Choisissez un triangle. Un triangle. Celui-là. L'autre, c'est un pastèque, mais voilà. Un petit triangle. Choisissez un triangle. Bah, la pastèque, alors. Non, je pense que c'est plutôt celui-là. Ah, vous avez vu l'animal qui est sorti du tuyau? Choisissez un triangle. Voilà, un triangle là. Ok. Voilà. Trouvez un triangle. La pastèque alors. Voilà. Voilà, c'est bon. Voilà. Allez, réveille-toi, Luigi. Choisissez une forme petite. Bah, celui-là, c'est petit aussi, hein. Donc voilà. Un petit cercle. Choisissez une petite forme. Celui-là, je pense que c'est celui-là. Ok. Wow! Vous avez vu, c'était... c'était pas Larry des Koopalings, ça. Ok. Un petit carré. Voilà. Ok. Un petit carré. Trouver un petit forme. Celui-là. Larry le Koopalings. Sérieux. Et il n'y a pas les autres formes à faire, ok. Allons-y pour la suite. Voilà. Choisissez une forme gris. Celui-là. Okay. Choisissez un forme gris. Celui-là. Oh, il y a le Goomba dans l'arbre. Ok. Choisissez un forme gris. Encore. Encore. Ok. Par contre, je sais pas si vous entendez. Il y a mon frère Zuik qui téléphone à côté. Je sais pas si vous entendez, mais en train de téléphoner à côté. Ah bah ça, c'est mon frère Zuik, hein. Il m'embête, hein, comme d'habitude, hein. Ça fonctionne, ouais, le truc carré. Bah c'est bon, ok. Et voilà. Ça c'est bon. Encore une dernière manche. Réveille-toi, Luigi. Choisissez un forme rose. Celui-là. Voilà. Alors, choisissez une forme carré en rose. Ok. Le cadeau. Le cadeau d'anniversaire. Voilà. Choisissez une forme rose. Voilà. Choisissez la forme rose. Et voilà. Et voilà. Ah, c'est pas fini. D'ailleurs, ça dure combien de temps chaque partie, là? Ça doit durer au moins 5-10 minutes. Choisissez une forme triangle. Ok. Voilà. Alors. Choisissez une forme triangle. Moyen. Bah, celui-là. Ok, j'ai trouvé. Triangle encore. On prend celui-là. Eh, c'est Larry le Koopalings. Sérieux. C'est pas mal ces petits trucs qui apparaissent quand on réussit un truc. Alors on prend celui-là. Ok. Et voilà, nous avons réussi. Ok. Allez, c'est reparti. Trouvez un cercle grand. Allez, le cercle orange, tiens. Ok. a large circle. That worked for me. Voilà, c'est bon. You picked a large round circle. Choisissez un cercle large. Voilà, celui-là. That worked for me. Voilà. You chose a large red circle. Choisissez un cercle large au-dessus. Super. You found a large orange circle. Ok, voilà. Parfait, donc on va aller sur les formes. Let's go to Shape World. Allez, c'est parti. Mario Time. Ok, je pense que je comprends. Trouvez le rectangle. C'est celui-là. Ensuite, trouvez le triangle. Le triangle, il est ici. Ok. Trouvez le cercle. Le cercle, il est là. Et voilà. Ensuite, trouvez le cercle. Bah, le cercle, il est là-bas, du coup. Trouvez le cercle. Voilà. I like your choice. You chose a circle. Trouvez le carré. Le carré, il est là-bas. Voilà. Il restera plus que le rond, il y en aura fini. Le cercle. You chose a circle. Et voilà. Ok. Encore un autre train à construire, donc on va faire pareil. Tac. Réveille-toi, Luigi. Alors, montrez le petit triangle. Le petit triangle, bah c'est celui-là, du coup. Voilà. You chose a small triangle. Choose the big triangle. Super. You found the big triangle. Ok, le grand triangle. Choisissez le grand carré. Bah, le grand carré, c'est ça. That works for me. Voilà. You chose a big square. Pick the big Choisissez circle. Le grand cercle. Celui-là. That works for me. You found the big circle. Show me the big Le grand rectangle. Voilà le grand rectangle à votre service. Super. Voilà. You chose a big rectangle. Le petit cercle. Voilà, petit cercle. You found the small circle. Voilà. Le petit cercle est là. Et voilà. Le petit cercle. Le petit rectangle. Ça doit être celui-là. Ok. Le petit rectangle. You found the small rectangle. Find a big circle. Alors le grand cercle. Celui-là. You did well. Pas vraiment grand, mais voilà. You picked the big circle. Voilà. C'est beau. Allez, c'est reparti. Choisissez un cercle. Celui-là. Voilà. Ah! Vous avez vu le Toad? Vous avez vu le Toad qui est apparu? Choisissez un rectangle. Bah, le rectangle là. Wow! Oh, c'est Bowser! Vous avez vu Bowser? Wahahaha! Ok. Un petit triangle. Celui-là. Moi, haha, c'est moi Bowser, haha. Ok. Un cercle. On va prendre le cercle là-bas, voilà. You did well. You found a circle. Voilà, c'est fait. Find a rectangle. Rectangle. I like your choice. Le rectangle. You chose a rectangle. Find a circle. Super. You found a circle. Voilà. Un carré. Allez, on met le carré. I like your choice. You picked a square. Encore un carré. Voilà. Un carré. Le cercle. You did well. You found a circle. Show me the big le triangle. You did well. You found the big triangle. Et voilà. C'est fait. Encore. Allez, réveille-toi Luigi, s'il te plaît. Find a large circle. Un cercle grand. Celui-là. Ça c'est bon. You chose a large circle. Pick a square. Un carré. On va prendre le carré là. Super. You picked the square. Ok, le triangle large, donc ça doit être celui-là. Un petit cercle. Le petit cercle est là-bas. Voilà. Et voilà. Un petit rectangle. Super. You found the small rectangle. Choose the large rectangle. Un grand rectangle. Juste là. I like your choice. Voilà. You chose the large rectangle. Alors, le petit cercle. Voilà le petit cercle. Après, il faut l'autre cercle. Le cercle est là-bas. Et voilà, on a réussi. Yes, yes, yes. Oh oh! Voilà, c'est une victoire pour Homer. Ah, c'est pas fini. Ah, il manque le trou derrière là-bas. Ok. J'avais pas vu. Voilà, c'est bon, on a réussi. Là, c'est bon. Voilà. Et voilà, c'est vraiment génial. Donc, du coup, c'est vraiment génial. Ah, merde, les amis, c'est la fin du live. Ah ben voilà les amis, c'est la fin du live. Vous avez entendu le bruitage de qui veut gagner des millions. Ça veut dire que ce live est terminé. Waouh! On a passé 4 heures de live ensemble à jouer à ces jeux Mario. Waouh, franchement... Waouh, il y avait pas mal de jeux qui étaient bizarres, mais voilà quoi. Mon préféré sera Hotel Mario. Mais le jeu Mario is missing, je pense que c'est l'un des pires jeux que j'ai jamais joué. Tout simplement parce que j'avais pas compris à ce jeu. En tout cas, j'avais pas compris, mais malheureusement, c'est comme ça, tout simplement. Eh bien, voilà les amis, c'est la fin de ce live. Voilà les amis, encore une fois, je suis vraiment désolé. Ce live sera séparé en 2 parties. Malheureusement, il y a eu un gros panne de connexion Internet. Malheureusement, le live avait été coupé. Le live était coupé parce que on a eu un gros problème de connexion Internet. La connexion Internet chez nous était malheureusement tombée en panne. Voilà les amis, malheureusement, les problèmes de connexion Internet, ça peut arriver. Malheureusement, les alléluia du direct, ça peut arriver, tout simplement. Eh bien voilà les amis, en tout cas, je vous remercie quand même d'avoir regardé ce live. En tout cas, je suis vraiment désolé encore une fois si le live a été coupé. Malheureusement, on avait eu une panne de connexion Internet. Je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas pourquoi la connexion était tombée en panne. Bah malheureusement, je suis désolé encore une fois pour ce désagrément. Bon, en tout cas les amis, je vous remercie d'avoir regardé ce live, j'espère que vous avez apprécié. En tout cas, si vous avez aimé ce live, n'oubliez pas de mettre le pouce bleu. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour suivre les prochaines vidéos. En tout cas, on espère que vous avez apprécié. En tout cas, vous me direz dans les commentaires quel est le jeu Mario que vous aimez le plus dans ce live, qu'on a joué pendant ce live et tout ça. Vous me direz c'est quoi le jeu Mario le plus bizarre. Vous me direz tout dans les commentaires. Eh bien voilà les amis, c'est la fin de ce live. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé ce live. On se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Voilà, je suis vraiment désolé encore une fois si le live a été coupé. Malheureusement, c'est les problèmes de connexion Internet. Malheureusement, voilà, ma connexion était tombée en panne. Je sais pas pourquoi ma connexion était tombée en panne. Je ferai une vidéo pour m'excuser concernant le live qui a été coupé. Hein. En tout cas, je suis vraiment désolé les amis, mais parfois, la connexion peut tomber en panne. Malheureusement, c'est comme ça. En tout cas, les amis, merci à tous d'avoir regardé ce live. À bientôt, mes amis, pour des prochaines vidéos. En tout cas... j'espère que vous avez apprécié. Allez les amis, c'était Homer. Merci à tous. À bientôt mes amis pour des prochaines vidéos. Je vous remercie les amis pour avoir regardé ce live malgré les problèmes de connexion. Je suis vraiment désolé. Allez les amis, c'était Homer. Merci à tous. À bientôt mes amis pour des prochaines vidéos. On se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Voilà les amis, c'était Homer. Merci d'avoir regardé ce live. À bientôt pour des nouvelles vidéos. Allez les amis, à bientôt pour des nouvelles vidéos. Merci à tous. À bientôt.